Bonjour et bienvenue de nouveau dans Star Citizen, je suis Isha et on va continuer notre tuto sur le minage en rock. Tout d'abord je tiens à m'excuser sur le son de la précédente vidéo, disons un petit souci technique, mais ne perdons pas plus de temps et continuons notre série de vidéos sur le minage. La dernière fois dans le cadre du minage en rock, on s'était laissé juste avant d'aborder les minerais. Tout d'abord les types de minerais. En rock, vous allez miner les mêmes minerais qu'en minage multitools, à savoir de la deivine, de la phorite et de la dani. Je ne vais pas revenir sur leurs caractéristiques, je vous les affiche directement. Les seules différences vont être la masse des monticules ainsi que leur localité. Pour être plus précis, les monticules sont les mêmes, mais avec une masse différente. Il faut savoir que les monticules de gemmes sont minables aussi bien en rock qu'avec le multitools. Mais là où l'accès est inaccessible en rock, les monticules ont une masse d'environ 0,10, et donc la puissance du laser du multitools suffit. Mais à l'extérieur, vous trouverez des monticules avec une masse d'environ 0,10, mais aussi d'autres d'environ 0,90. Ce qui me fait penser à vous dire de bien faire attention à la puissance de votre laser en rock. Car s'il est nécessaire pour les monticules ayant une masse de 0,90, il sera un peu overpuissant pour ceux de 0,10. Mais bon, là-dessus, on y reviendra. Passons maintenant à leur localité. Où les trouver? Nous ne serons pas à l'échelle, mais vous voyez cette étoile? C'est Stanton. Affichons maintenant les planètes. Affichons leur lune orbitant autour, et à présent, retirons la planète Vil'Harcorp. La planète gazeuse, qu'est Crusader, et bien sûr notre étoile du nom de Stanton. Et on obtient notre terrain de jeu pour pratiquer le minage en rock. Vous avez compris, toute surface tellurique encore non transformée est un spot potentiel. J'y accompagne les températures, mais attention, les températures ne sont qu'à titre indicatif car elles peuvent varier de quelques dizaines de degrés. Mais ça donne une bonne idée sur le choix de l'armure à prendre. Là par exemple, vous voyez, sur Aberdeen, la température peut, à la chaleur de Stanton, atteindre les 230 degrés Celsius. Et on constate que la chaleur est même supérieure à la température de résilience de la Pembroke, activant ainsi un timer de survie. La Pembroke permettant de supporter les températures jusqu'à 225 degrés Celsius nous laisse un timer d'une heure. Mais juste par curiosité, si on portait aucune armure, juste une simple undersuit sans aucune résilience, là notre timer passe de 1 heure à une dizaine de minutes seulement. Plus on persiste, la température de notre corps augmente. Et ce qu'on pourrait appeler un halo tel un prisme divisant le spectre de la lumière voile notre champ de vision. Et lorsque notre température corporelle atteint les 42 degrés Celsius, nous perdons de la vie pour enfin finir en incapacité totale. Mais approfondissons notre curiosité. Ici, par exemple, sur Euterpe, la température atteint les moins 85 degrés en plein jour. Voyez comme le gel s'applique sur notre visière, ou même sur notre undersuit. Notre timer de survie est fixé également à une dizaine de minutes. On observe que lorsque le vent se lève, la température descend à moins 98 degrés. Mais c'est pas ça qui attise notre curiosité. Notre température corporelle finit par atteindre 29 degrés. Et de la même manière, notre niveau de vie diminue. Notre vision est perturbée au travers d'un voile blanc, et on finit par tomber en incapacité totale. Bon, laissons cet aparté de côté, et revenons à notre terrain de jeu. Et je vous l'accorde, il est plutôt vaste. Et vous allez me dire, c'est bien beau tout ça Isha, mais tu peux être plus précis sur les zones à miner. Eh bien, non. Toutes les documentations que j'ai pu trouver datent de la 3.12. Il y a bien certains sites qui ont mis à jour leur tuto, mais dans les faits, pour ce qui concerne le taux de présence et la densité des minerais pour le rock, eh bien, par manque d'infos, j'imagine, ils n'ont fait que reprendre ceux de la 3.12. Alors peut-être, je dis bien peut-être qu'il y a une part de vérité dans les proportions, mais dans les faits, les quantités ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, en cette 3.16.1, il est très long, voire difficile, de multiplier les spots de minage sur une même lune. Mais parce que je sais que ce n'est pas la réponse que vous attendez, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Tout d'abord, lorsque vous partez miner en rock, commencez par localiser une grotte. Oui, vous avez entendu, une grotte, mais pas n'importe lesquelles. Celle dont l'entrée permet les vaisseaux médiums et véhicules terrestres. Je ne vais pas répéter comment trouver ces mines ou encore comment les spotter rapidement. Pour cela, je vous laisse revoir la partie qui vous intéresse sur les vidéos précédentes liées au minage à pied. Donc je disais les grottes, et plus précisément les entrées qui acceptent Crown Vehicle ou et Small Chip. Et c'est bien ça qui nous intéresse, uniquement l'entrée et son hall. Car il n'est pas rare d'y trouver 2 voire 3 monticules à miner en rock. Rien ne vous empêche de piller les entrées de toutes les grottes. Mais des grottes de ce type, à savoir accessibles en vaisseau, médium et véhicule terrestre, ne sont pas si nombreux que ça par secteur. Et j'ai peur que vous perdiez votre temps en cantou. Mais pour démarrer votre session, c'est plutôt pas mal. Donc je disais, localisez la grotte. Faites un saut quantum sur la localisation la plus proche, descendez de l'orbite pour rejoindre le sol, et rejoignez la grotte en rasmote. Minez tout spot qui se trouve entre vous et la grotte. Et bien sûr, une fois arrivé à la grotte, minez les monticules qui se trouvent à l'entrée. Une fois fait, repartez de la grotte en rasmote vers l'horizon. Alors oui, je vous l'accorde, cette astuce est un peu légère, mais elle a le mérite de fonctionner et permet de repartir avec un minimum de minerais dans la soute. En conclusion, aujourd'hui, il m'est très difficile de tirer des données viables sur le taux de minerais par type sur les différents astres.
j'y travaille encore pour la réalisation d'un recensement lié à mes propres sessions de minage. Mais force est de constater qu'en cette 3.16.1, le profit lié à ce gameplay est difficile. Mais il reste fun, c'est bien pour cela que je continue d'en faire, pour le plaisir. A défaut de vous donner un listing de spots rentables, je ne peux que vous conseiller de vous lancer par vous-même chaque soir sur une nouvelle lune planète. Maintenant que nous avons dégrossi et opté pour telle ou telle lune, il est temps de transitionner sur le HUD du radar de votre vaisseau. Et comment nous en servir dans notre chasse? Oui, car c'est ainsi que vous allez chasser le minerai. L'objectif ici est de faire du Razmoth à 100 voire 200 mètres du sol, à une vitesse légèrement inférieure à votre vitesse SCM. Vous lancez un ping. Là, vous voyez le cube avec ce qui pourrait s'apparenter à du bruit numérique? C'est un centre d'intérêt, relevé par votre ping. En clair, ça peut être un vaisseau, une base avancée ou du minerai. Vous approchez de ce spot, toujours en Razmoth, en gardant un œil sur votre HUD. Il faut être extrêmement vigilant, car si le cube se révèle la plupart du temps être des rochers à miner en vaisseau de minage, à proximité, il est possible que vous tombiez sur un signal se caractérisant dans votre HUD par un symbole, le symbole d'un diamant. Et pour le détecter, il faut être très, voire très très proche, d'où l'intérêt de voler à 100 mètres du sol et à une vitesse limitée, pour être réactif sur l'arrêt, voire même faire un demi-tour avant que ce dernier ne disparaisse. Sans oublier les problèmes de D5 qui vous empêchent de les détecter à votre vitesse maximale. Donc une fois ping, vous vous approchez du cube représentant un centre d'intérêt. Et enfin, surtout, trouvez des monticules de pierre à miner en roc. Une fois trouvé, vous vous y approchez. Il va falloir le scanner. Pour ça, activez le mode scan. Votre mode scan est activé. Petite info inutile, il faut savoir que le HUD du scan est directement lié à la vision du personnage. Si vous bougez la tête avec l'utilisation d'un face tracker via webcam, Toby ou encore Trackir pour ne citer que les plus utilisés, votre HUD suivra la direction où votre personnage regarde. Dans le cas du minage, ça a peu d'utilité, si ce n'est le confort. Revenons au HUD. Ici, vous avez la force du signal qui s'accroît soit en vous rapprochant, soit en diminuant la focale de votre radar. Je ne détaillerai pas sur le focal de votre radar. On sera amené à en reparler au moment où il y aura une réelle utilité, soit en minage avec les vaisseaux dédiés dans les prochaines vidéos. Donc la force du signal doit être assez élevée pour pouvoir scanner votre cible. Dans le cas ici, j'ai atteint les 60%. Je lance le scan, on voit ici la progression du scan. Ici, on voit le keyring, ça vous indique que c'est du minerai minable. Information qui peut paraître futile, mais n'oublions pas que le scan ne sert pas qu'au minage. Plus important, on connaît maintenant le type de minerai, à savoir ici la danite, ainsi que sa densité dans le monticule, soit 84,45%. Dans la partie overview, on y trouve les caractéristiques techniques. La masse du monticule, 0,84, la fenêtre de charge optimale et d'overcharge, la résistance et l'instabilité. Et là, vous allez me dire, parfait, c'est beau, mais ça sert à quoi de le scan et d'en connaître les caractéristiques avant qu'il se trouve sous notre laser de minage? Eh bien, justement. La question ici, c'est, allez-vous perdre votre temps avec tel ou tel minerai? Rappelez-vous, en minage à pied, je vous conseillais de tout prendre, d'olivine, aphorite, adanite, parce qu'à mon goût, vous perdriez votre temps à sélectionner. Ici, la donne change, parce que pour miner, vous devez vous poser, sortir du roc, miner, et faire le schéma inverse pour repartir sur un autre spot. Pour le minage, il y a plusieurs écoles. Mon conseil, et ça n'engage que moi, et je dirais même plus que moi en cette 3.16.1, et je doute que la 3.17 ait apporté beaucoup sur le minage en roc, donc, partir sur une sélection basée sur le choix du tout adanite, le minerai qui rapporte le plus, rappelons-le, va dépendre de votre taux de chance. Soit vous croisez beaucoup de monticules d'adanite, et là oui, ne prenez pas la peine de descendre pour de la doyline ou de la phorite, soit vous ne croisez que très peu d'adanite, et là il est préférable d'avoir une soute en fin de session remplie de doyline plutôt que de vide. Un autre point va déterminer si oui ou non ça vaut le coup de descendre, c'est la masse, et forcément le nombre de monticules, car même si vous avez de la chance et que vous enchaînez les monticules remplis d'adanite, si vous tombez sur un filon de 7 ou 8 monticules remplis de d'olivine avec une masse de 0,9, il serait pas malin de ne pas lui faire honneur. Et inversement, tomber sur un et uniquement un monticule d'adanite avec une masse de 0,10 et un taux de densité à 45%, pas sûr que ce soit judiciable de descendre. Mais tout ceci est et uniquement mon point de vue. Voilà, vous savez utiliser à présent le radar dans cette chasse aux gemmes précieuses, et surtout pourquoi vous l'utilisez. Maintenant nous allons passer au HUD du roc, et plus précisément son HUD de minage. Alors, pour commencer, allumons le roc. Le maniement du véhicule est classique, inutile de s'y attarder. Mais pour ce qui concerne le minage, commencez par activer le mode minage, ça va libérer votre bras où se trouve le laser de minage. Petite astuce, si votre bras n'est pas contrôlable, il ne bouge pas malgré que vous excitiez sur votre souris au bord de la rupture. Surtout, stop! N'allez pas jusqu'à casser votre souris, ça ne vous le fera pas toujours, mais si ça vous le fait, il suffit de changer le mode de visée, qui est habituellement lié au gimbal. Ce n'est pas vraiment un bug, mais c'est une option qui n'est pas applicable au minage. Bref, admettons que c'est un bug. Vous êtes dans votre roc,
Le monticule est face à vous, votre bras de minage est activé, pointez votre viseur sur le monticule. Un scan s'active automatiquement de la même manière que pour le minage avec le multi-tools. De ce côté, on a le minerai, son type, ici la danite, la masse du monticule, 0,84, l'instabilité, la résistance. La composition ici, 84,45% de gemmes et 15,54% d'inerte matériel. Pour ce qui est de l'inerte matériel, pas vraiment utile en rock, mais ça nous familiarise pour les prochaines vidéos avec le minage en vaisseau. De l'autre côté, on a l'équipement et les caractéristiques du rock. Ici, on retrouve le modèle du laser, un arbor MHV, ainsi que son champ d'action entre 0 et 25 mètres, la distance actuelle du monticule entre 2 et 3 mètres. Une indication nous informe que nous sommes à une distance optimale pour profiter de la pleine puissance du laser. En dessous, on a le cargo du rock, son inventaire, avec ses 80 CSCU, soit 800 000 micro-SCU. On constate d'ailleurs qu'il est déjà rempli à 14 CSCU et demi de minerai, avec pour précision en dessous encore le listing des minerais présents dans sa soute. Mais là, c'est clairement dégueulasse, c'est très mal présenté. Ça me laisse penser d'ailleurs qu'on va faire un aparté. On arrête tout. Depuis le début, je vous parle d'unité de mesure, qui est le SCU. Et je sais par expérience que ce n'est pas forcément clair. Revenons dessus un instant. Qu'est-ce que le SCU ? Le SCU est une unité de mesure, ça vous l'avez deviné, comme le litre ou le mètre. Le SCU est l'acronyme de Standard Cargo Unit. Il représente un conteneur de 1 mètre cube d'intérieur environ. De là va partir toutes les mesures de contenance que j'ai pu aborder. Rappelez-vous, nous avions le micro-SCU. La plupart des cas, vous le rencontrerez avec le symbole bien connu de micro. Mais certains vont le remplacer par un M, pour micro, ou d'autres, et d'ailleurs moi-même, par un U, parce que c'est le caractère qui se rapproche le plus du... Enfin, vous m'avez compris. Donc un SCU représente 1 million de micro-SCU. Et inversement, un micro-SCU représente 0,00001 SCU. Je n'en ai pas oublié. Le CSCU, ou le centi-SCU, lui, représente 0,01 SCU. Tout comme il faut 100 cm pour faire un mètre, il vous faudra 100 centi-SCU pour faire un SCU. On peut faire tout type d'exercice dans le même genre, rappelons-nous donc une caisse de cargo 1 SCU, un roc à une contenance de 800 000 micro-SCU, soit 80 CSCU d'ailleurs, ou 0,8 SCU. Une gemme à une taille de 1000 micro-SCU, soit 0,001 SCU. Bref, vous avez compris, on va pas s'éterniser dessus, mais ça donne une bonne idée. Et on va pouvoir reprendre notre HUD de minage du rock. Avant cet aparté, nous avions fait le tour. Maintenant, concentrons-nous sur le centre. Et vous allez retrouver beaucoup de similitudes avec le multi-tools. Ici, on retrouve la puissance du laser. Par défaut, employez la molette de votre souris pour le contrôler. De l'autre côté, la charge du monticule. De là à là, c'est la charge que peut encaisser le minerai sans être altéré. Ici, c'est la charge optimale. Vous l'aurez compris, il faut rester dans cette partie. Un niveau progressera. Si celui-ci est rempli, le monticule se romprera, libérant ainsi le maximum de minerai disponible dedans. Au-dessus, c'est l'overcharge. Et de manière similaire, si ce dernier venait à être rempli, le monticule exploserait. Et avec lui, la totalité des gemmes cette fois-ci. Si la fracture se fait par le biais de la fenêtre de charge optimale, mais avec un niveau d'overcharge, en fonction du niveau d'overcharge, une partie des gemmes explosera avec, et le reste sera propulsé autour, parfois jusqu'à 150 mètres de distance, voire plus. Une fois que vous avez libéré vos précieuses gemmes, le premier constat, c'est qu'il y en a. Et ce, en toute logique, plus de gemmes dans un monticule de masse de 0,9 qu'avec les classiques monticules de masse de 0,10 qu'on trouve dans les grottes. Le deuxième constat, c'est que ça va vous prendre une plombe à tout ramasser à la main. Et d'ailleurs, pourquoi mon roc a une soute ? Par défaut, faites une pression sur le clic droit de votre souris. Vous allez basculer votre laser de minage en mode d'extraction. Visez le centre d'un amas de gemmes et lancez votre laser de minage. Par défaut, toujours le clic gauche de la souris. Toutes les gemmes dans un rayon de 1 mètre vont se retrouver attirées dans votre roc, aspirées au travers d'une spirale. Attention, veillez à ne plus bouger votre bras de minage avant que toutes les gemmes soient aspirées. Sinon, vous risquez de les projeter au loin. Une fois toutes les gemmes dans votre roc, éteignez votre laser et réitérez l'opération. Je vous déconseille fortement d'effectuer un balayage avec le laser d'extraction allumé. Vous risqueriez d'éparpiller les gemmes un peu partout. Voilà, vous savez miner avec le roc à présent. C'est pas bien difficile et on constate de nombreuses similitudes avec le minage multi-tools. Je ne vais pas revenir sur l'influence de la résistance ou bien de l'instabilité sur votre manière de miner, on l'a assez vu lors du minage en multi-tools. Elle est la même qu'avec le multi-tools, et on reparlera sûrement dans la prochaine vidéo et surtout sur la partie concernant le minage en vaisseau de ces deux caractéristiques. Il y a deux points que nous avons toutefois toujours pas traités. Comment faire apparaître le roc que vous avez au préalablement acheté et les zones de revente. Pour ce dernier point, vous pouvez revendre votre minerai dans les mêmes zones que les gemmes récoltées en multi-tools. Normal, vous me direz, c'est les mêmes. Et sur ce même principe, étant donné que c'est les mêmes gemmes, il n'y a pas encore de notion d'inerte matériel ou même de raffinage du minerai. Je dirais même plus, il vous est impossible de les raffiner. En résumé, il faut les vendre en l'état sur les consoles dédiées au trade.
Au vu de la longueur de la vidéo, et étant donné que pour ce qui concerne la vente, nous l'avons déjà vu dans des vidéos précédentes, je vais me permettre de relayer l'appel du rock dans une troisième et dernière vidéo sur le minage en rock. L'objectif de cette troisième vidéo se fera sous la forme d'un let's play scindé qui aura pour but de mettre en pratique, compléter, voire corriger s'il y a lieu. Mais dans les faits, vous êtes prêts pour miner en rock. J'espère ne pas avoir été trop saoulant sur les détails et surtout redondant. Car oui, le minage en rock possède de nombreux points communs avec le minage en multitools. Ma conclusion, le minage en rock est en 7.3.16.1 et même en 3.17 loin d'être le gameplay le plus rentable. Mais je lui vois deux grands avantages. Le premier, c'est qu'il est unique et fun. Le deuxième, c'est qu'il coule dans la progression de l'apprentissage du minage. Alors oui, on peut toujours sauter les étapes, mais c'est pas l'idéal pour comprendre toutes les facettes du minage. Alors pour finir, comme je disais, le minage multitools est le béaba du minage. Le minage en rock est la parfaite transition entre le minage multitools et minage en vaisseau. Il apporte des notions supplémentaires qui seront approfondies par la suite. On pourrait même penser que CIG a réalisé au travers de ces trois types de minage une progression dans l'apprentissage du gameplay minage. Bref, je parle et le temps passe. On se retrouve bientôt et je vous dis au revoir et surtout, faites de beaux rêves.